On est tous très fiers. En plus, je peux dire que personnellement, je suis incroyablement heureuse que ce prix aille à Jacques Dubochet, que je connais depuis plusieurs années et qui le mérite d'énormément de points de vue. Voilà, je ne veux pas en dire plus parce que Jacques va vous décrire ce qu'il a fait pour mériter le prix Nobel. Et puis ensuite, si vous avez des questions, on y répondra, il y répondra le mieux possible. Vous comprenez que dans un moment comme ça, le sentiment qui s'impose, c'est une très grande reconnaissance. Ben, ils sont sympas, Stockholm. Ça, c'est vrai. C'était pas évident. Mais je dois dire que un prix scientifique, c'est une chose ambiguë. Ça met en évidence un individu, alors qu'on devrait mettre en évidence un effort collectif. Moi, je ne suis pas tout seul. Donc, si l'Académie de Stockholm m'honore aujourd'hui, c'est parce que nous avons appris à travailler avec. À... Nous avons inventé l'eau froide. Eh oui. Et la personne qui a vu cette eau froide au microscope pour la première fois, c'est lui. Alastair McDowell, il est au Caltech, en Californie, et c'est sur son épaule que j'ai vu cette découverte. 2 ans plus tard, 2 ans plus tard, c'est cet homme, c'est Marc Adrian, malheureusement il est mort quand il peut après être arrivé à la retraite, qui lui a fait une observation sur un travail qu'il faisait que je lui avais profondément déconseillé. Et puis ça a marché. Et c'est les 2 moments du haha. Vous savez, quand on fait de la recherche, tout à coup on tombe sur quelque chose et puis on dit, mais attends, c'est faux ça, ça ne va pas. Et puis derrière, il y a une découverte. Voilà, c'était à la suite de ça, on a travaillé et on a construit là-dessus. On a construit là-dessus avec, voilà, des gens comme ceux-ci. Celui-là, c'est Joachim Frank, qui a mis, lui, il a surtout développé le système mathématique qui permet de traiter les données. Comme avec notre méthode d'observation dans l'eau froide, il était possible d'avoir des meilleures données, il fallait des meilleures mathématiques pour les travailler. Et quant à lui, il n'a rien inventé. Sauf qu'il a tout. Vous savez, c'est un peu le gourou. C'est Richard Anderson. Et il a été un peu gourou qui soutient tout le monde. Je vous raconte une toute petite histoire. Benoît Zuber, c'est le dernier de mes doctorants, il est maintenant professeur à Berne. Et ma foi, il avait été en congrès aux États-Unis, et puis il revenait, et je lui avais conseillé de s'arrêter à Cambridge chez Richard Anderson. Et puis lui, il ne voulait pas, parce que Richard Anderson, c'est un très gros morceau. Quoi qu'il en soit, il a quand même réussi à y aller. Richard Anderson l'a pris, ils l'ont monté sur le toit du MRC à Cambridge et ils ont passé tout l'après-midi et toute la soirée ensemble à discuter. C'est exactement ça. Cet homme, il est généreux, il est intelligent et il communique. Voilà. À part ça, il a aussi très bien travaillé et au fait, ça, il a quand même fait une contribution extraordinaire. C'est collaborer avec celui-là. Celui-là, c'est Nigel Unwin. Et malheureusement, les prix Nobel, ça ne se donne, paraît-il, qu'à 3 personnes. Il aurait fallu que ce soit à 4, parce que celui-là l'aurait aussi grandement mérité. Nigel Unwin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Aïe, voilà. Maintenant, cette reconnaissance, à part ses collègues, vous voyez, il y a cette université. Pensez donc, depuis maintenant. Voilà, je suis à la retraite depuis 10 ans, et depuis 10 ans, l'université continue de m'accueillir. 10 ans, dans 20 ans précédemment, j'étais professeur ici, c'est un lieu magnifique et extrêmement accueillant. Et puis, j'ai ma femme et mes enfants. Alors, ma fille n'est pas là, mais il y a mon fils, ma femme qui sont là, et... Ben, ma foi, ma femme m'a accompagné dans tout ce travail déjà bien avant. Et puis,
Mon fils est né l'année où nous avons découvert l'eau froide. Ma fille est née l'année où Marc Adrien apprenait à en faire quelque chose d'utile. Et voilà. Et vous voyez le bonheur de la personne dans ce milieu, à ce moment, avec cette gratification. On se rappelle que c'est un prix scientifique, c'est un problème, parce qu'il focalise sur une seule personne, alors que c'est un travail scientifique d'une collectivité. Une collectivité, oui, bon, voilà. J'aimerais, il me semble peut-être utile, de dire quelques mots. Oui, pour le travail scientifique qui est là derrière et qui a valu ce prix, je propose qu'un de ces prochains jours, nous organisions un séminaire scientifique où je vous raconte le contenu scientifique de cette histoire. C'est très intéressant. Mais j'aimerais vous dire quelques mots à mon propos, juste un cas. C'était mauvais. Et j'ai pu rentrer par accident quasiment au collège classique, c'était il y a longtemps. Et puis, on a fallu 3 semaines pour m'apercevoir que le collège classique, c'était trop difficile pour moi. Alors, une année plus tard, j'ai réussi à entrer au collège scientifique et ça n'a pas bien été. Mais il y avait un directeur d'école qui s'appelait M. Edgar Notz, qui a eu, je ne sais pas comment, enfin on lui a un peu aidé, il a détecté chez ce type-là une dyslexie. Et ainsi, j'ai été le premier dyslexique reconnu du canton. Ce qui m'a fallu de faire tout le collège en étant de plus en plus mauvais et devenant de plus en plus misérable dans tous les domaines et en utilisant ça comme un terrible oreiller de paresse. Et arrivé à un moment donné, M. Notz est parti à la retraite et 3 semaines plus tard, j'étais vidé. C'était trop tard parce que mes parents ont pris une décision courageuse. Ils m'ont dit « fiche le camp » et ils m'ont mis au collège cantonal d'Appenzell, de Trogen. Et ben voilà, j'étais toujours dyslexique, mais vous savez, la dyslexie, il y a des tas de systèmes de compensation et puis ils fonctionnaient à peu près. Ce qui fait qu'une année, un peu après, bon, j'ai pu revenir, j'ai passé une matu, et puis après, tout a bien été. Tout a bien été, puis ça arrive jusque-là. Ça, c'était... ça, c'était mon CV. Vous trouvez aussi mon CV sur le site de l'UNIL. Et puis, je vous dis aussi que si vous voulez connaître mieux ce que je suis, ce que je pense et comment j'agis, j'ai un blog qui est... Au fait, c'est un très mauvais blog. C'est bien d'écrire. Vous savez, quand on écrit, on est obligé de travailler, de penser sérieusement à ce qu'on dit. Pas comme ça, comme ici. Quand on le met par écrit, c'est beaucoup plus solide. Et je m'efforce d'écrire des tas de choses qui me viennent en tête et je les mets un peu sur mon blog. Alors, mon blog, vous le trouvez facilement, c'est dubochet.ch/jacques. Et voilà. Et puis, mais attention, c'est pas de la littérature. Hein. Et puis, je dirais aussi qu'il m'est arrivé tout au début de ma carrière, tout au début de ce projet sur le froid qui me mène à ici maintenant, il m'est arrivé une grande catastrophe. Nous avons fait une erreur scientifique qui, aujourd'hui, conduirait les personnes qui font une telle erreur à des gros ennuis. Pour toutes sortes de raisons, ça s'est arrangé, mais il existe un cours biologie et société à la mise en route duquel j'ai beaucoup participé, et demain il y a une séance de ce cours à 10h, 10h15 au Biofort, non pas au Biofort, au Génopode, et dans ce cours j'interviendrai pour raconter notre tragique histoire d'il y a 35 ans, et qui est intéressante, vous verrez. Les scientifiques font des fois des superbes conneries. Voilà, avec ça, j'ai dit ce que je voulais vous dire et je suis à disposition pour vos questions. Oui.
Sur votre CV, vous marquez pour 1968, très important. Ce qui signifie quoi, très important, 1968? Eh bien, en 1968, nous étions en train de faire la révolution avec cette jeune dame qui est devenue ensuite municipale à Bussigny et qui était horriblement gauchiste. Moi, j'étais écologiste à l'époque, encore maintenant. Et puis, c'est Madame Michèle Salamin, l'oreille. Et voilà. Vous en voulez plus? Oui, oui. Oh, ça va, c'est déjà pas mal. Oui. Il faut dire que dans ma jeunesse, j'étais, comme je vous disais, j'étais pas bon. J'étais un peu asocial. Non, pas asocial, parce que je suis pas retenu, mais j'avais beaucoup de peine avec le monde. Et puis voilà, il a fallu longtemps pour chaque année, chaque 10 ans, je trouve que ça va mieux. Et puis, ben voilà, maintenant ça va pas mal. Oui, c'est de la chance. Professeur, d'abord félicitations pour votre prix. Une question, oui. L'eau froide, il y en a plein, le lac. D'où est venu ce déclic? Oui. L'idée tout d'un coup de se concentrer. Bon, alors ça c'est le problème scientifique. Absolument. Je suis microscopiste électronicien. Dans un microscope électronique, on utilise des électrons plutôt que de la lumière. Les électrons ne traversent pas l'air. L'air est opaque aux électrons. Donc, il faut enlever l'air dans le microscope pour pouvoir regarder le spécimen. Or, monsieur, je n'ai pas votre nom, mais je suis sûr que, comme moi, vous êtes fait surtout d'eau. Nous sommes des paquets de flotte. Et lorsque l'on met un spécimen biologique dans un microscope électronique, l'eau s'évapore. Et si on est sec, on n'est pas en bon état. Donc, le problème, c'était comment gérer le séchage en microscope électronique. Et les personnes que j'ai montrées tout à l'heure, Nigel par exemple, travaillaient sur ce problème. Nigel essayait de remplacer l'eau par du sucre. Il a eu des résultats remarquables. Moi, j'avais ce projet qui consistait à quand même essayer de faire avec l'eau gelée. Alors, on gèle l'eau à une température suffisamment basse pour qu'elle ne s'évapore pas. Seulement, l'eau gelée, c'est de la glace. Et de l'eau glacée, il fait autant de dégâts que pas d'eau. Et voilà. Puis un jour, eh ben, nous apprenions à utiliser l'eau gelée et puis à geler de l'eau des tout petits peu, puis regarder comment elle était, étudier ses comportements. Et puis un jour, Alastair McDowell m'appelle au microscope et me dit « Mais c'est quoi ça ?» Et puis c'était une petite goutte d'objet non cristallisé, pas glacé, et il avait gelé d'une manière différente que d'habitude. Et puis on s'est dit « Mais qu'est-ce que c'est ?»« Ah, ben c'est l'éthane que tu as utilisé pour geler. » Et puis, là, attends, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il ne devrait pas être là. Et puis, on a chauffé doucement. Puis, tout à coup, tac, à moins 135, il s'est transformé en un multicristal que nous connaissions pas parfaitement bien. C'était l'eau cubique. On connaît ça, ce n'est pas la même eau que la vôtre, mais c'est quand même de l'eau. Et quand quelque chose qui n'est pas cristallisé devient de la glace, il faut croire que c'était de l'eau pas cristallisée. Voilà, et c'était... Ah, mais il y a quelque chose de très important là. Oui, nous avons tout de suite soumis ce beau résultat à Nature, et puis, peu après, le résultat est revenu en nous disant « You can't bend Nature ». Tu ne peux pas tordre la nature, ou bien tu ne peux pas tordre nature. Et bon, il se trompait doublement, parce que notre eau vitreuse, c'était vrai, et c'était facile à reproduire. D'autre part, il se trompait parce que, sous presse à ce moment-là, ils avaient la publication d'un groupe autrichien, Brüggler & Meyer, qui avait fait la découverte par une autre voie et qui était publiée chez eux. Oh, nous, on était gros gens comme devant, puis voilà. Et puis c'est là que, par exemple, Richard Anderson m'a encouragé avec d'autres. « Mais laisse pas tomber, il faut quand même publier ça. » Mais ça nous a mis longtemps. Ai-je répondu à votre question? Absolument. Nature a finalement publié votre... Oh, Nature a tout publié. Vous n'entendiez plus Nature? Oui, non, mais on a un problème maintenant. Je vous raconterai ça une autre fois. Si vous venez à la conférence de demain matin, je raconterai le problème de Nature. Voilà. Comment vous avez eu cette idée
geler différemment l'eau, finalement? Parce qu'il semble qu'il n'y ait qu'une seule manière pour geler l'eau. Ben, il faut la refroidir. Oui. Oui. Et nous, la refroidir. Il faut que le résultat soit différent, vous parlez d'opacité. Il faut la refroidir plus vite. Au fait, ce qu'on veut... Pardon, vous voulez toujours que je me reste là, moi. Vous voulez... Bon, c'est toujours de l'eau. Mais on aimerait qu'elle conserve la structure de l'eau liquide. Parce que nos protéines, nous, on est dans de l'eau liquide. Et si vous la transformez dans de l'eau, dans de la glace, tout ce qui flotte dans cette eau est foutu. Donc... il fallait conserver la structure de l'eau liquide en l'immobilisant. Il existe un bonhomme qui s'appelle Père Basile Luyet, qui vient de Savièse et qui est un prêtre de la congrégation de Saint-François de Sales et qui, dans les années 28, avait... Ali eut l'idée, attention, c'est intéressant, c'est un prêtre qui voulait qui enseignait physique et biologie au collège catholique de Genève, et collège justement de la congrégation de Saint-François de Sales. Et il avait, au fait, c'est un scientifique obsédé, et lui, il voulait comprendre qu'est-ce que la vie. Et son idée, c'est il faut bloquer la vie par le refroidissement pour voir ce que c'est et pour pouvoir faire la suspended life. Et pendant toute sa vie, il a travaillé à la conservation du matériel biologique par congélation. C'est lui qui a inventé l'importance du mot vitrification et il n'y est pas arrivé. Il n'a jamais pu vitrifier. Et entre-temps, la physique... La thermodynamique a montré que la vitrification doit être fondamentalement impossible. Bon, c'est pour ça que Nature nous a dit « You can't bend nature ». Le problème reste ouvert. On ne comprend pas la nature de l'eau vitrifiée par cette méthode-là. Il y a vraisemblablement deux structures d'eau liquide ou d'eau immobilisée. L'eau vitreuse, selon la méthode que nous avons développée, ou l'eau vitreuse obtenue par une autre méthode, etc. Enfin, l'eau vitreuse, qui serait l'eau liquide immobilisée, c'est une autre chose. C'est une affaire extrêmement compliquée, et c'est intéressant de savoir que l'eau, aujourd'hui, reste un grand mystère. Lorsque l'on comprendra quelle est la nature de notre eau vitrifiée? Eh bien, je pense que nous aurons fait des grands progrès en biologie. Et j'imagine qu'il y aura quelques prix Nobel là, dans ce côté. Oui, madame. Est-ce qu'on pose des questions en anglais? Yes, it's okay. You talked a little bit about some of the educational challenges you faced growing up. Do you have any advice for aspiring biophysicists today, or just aspiring scientists? You see, science is great. Yeah? A rather big part of my time is to read scientific journals and to discover what others are doing. By the way, I just sent to all my colleagues to whom I send my small report, I just told them that now I stop to write this monthly report because it takes too much time. I want to write my own ideas. But nevertheless, it's being serious and reading science seriously is there are so many possibilities in so many directions. Bon, there is a problem nowadays. You have to have an impact factor. You have to have a lot of things which are difficult. And I'm sure that in our little, well, in my life, that's now my personal CV, I hate personal competition. And so
Each time in my career, I came in a field where it was highly competitive. I gave up. You know? And in our group, it was a necessary requirement that one has to be open to collaboration. And those who decide that collaborating with that group, which has obtained good results similar to ours, and then we should be in competition. No, no, the guy had to go. Yeah? And we had always a small group. We were slow. In fact, the major development which has been done here, technical development, is still pending to be successful. It's called Semovis, in two words. The method we develop consists in having the biological material, viruses, molecules, in a very, very thin layer. And we know, and Marc Adrien found the trick how to form easily very, very thin layers. Okay, very simple. And unfortunately, you are too big to be in a very thin layer. So we can't see in your brain or cut your brain. So the trick would be Senovis. Senovis, you all know Senovis. Cryo-electron nanoscopy of vitreous section. It consists in vitrifying big piece of tissue, cutting it into very thin section in the frozen state, and observing that. That's Senovis. And I think it should be the method of the future. It's a bit difficult. And now the thin layer method that I describe and for which I got this prize is so easy that people jump into the thin method and forget about Senovis. That's a great pity, man. Isabel was not in Senovis, but Laurie was in Senovis and was working hard many years in Senovis. It's a great method, but it's not yet actual. Did I answer to? Oh, not very well. Yes. Okay.